Hey, salut tout le monde, c'est Quamungus, bienvenue sur Pro Cycling Manager 2016 pour la carrière Pro Cycliste Quamungus qui n'a pas évolué hein, depuis la dernière fois. Donc bientôt, vous voyez, hein, je suis bientôt au niveau 12. Nous sommes le 1er mai 2016 et aujourd'hui c'est le LBL U23, les personnages U23, le retour des courses U23, ça fait quand même plaisir. Hein, parce que l'année dernière on avait eu le droit au début et d'un seul coup il s'était dit tiens, on va faire un patch pour virer ça. C'était un petit peu incompréhensible, mais bon. Le principal, c'est que c'est de retour cette année, et c'est une bonne chose. Vous le voyez, je suis blessé, alors je suis pas vraiment blessé, je ne me sens pas bien. Et malheureusement, ça va influer, bien sûr, sur ma note du jour. On le voit ici. Voilà, les petites flèches rouges, hein, la fatigue, la maladie ne se sent pas bien, phase 1. Je ne sais pas s'il y a différentes phases, hein, s'il y en a 2, 3, 4, j'en sais rien. Mais en tout cas, phase 1, voilà. Alors malheureusement, ça sent les mauvaises notes. Sauf que... Je me dis, on est en U23, et en théorie, U23, il ne devrait pas y avoir beaucoup de concurrence, hein, vous le voyez là par exemple, voilà. Donc, malgré ma petite blessure, je pense qu'il y a moyen que je puisse faire quelque chose. Mais maintenant, il suffit de jouer la course, et nous verrons bien. Le journal, que me dit-il? L'interview de Decra. Avec quelles ambitions venez-vous sur la course? C'est un de mes gros objectifs de la saison, ça fait des mois que je me prépare pour ça. Ce sera un échec de ne pas atteindre le podium. Qui sera votre adversaire le plus coriace? Il y a pas mal de coureurs, de concurrence pour la victoire finale, mais Robit, ok, bref, sera certainement un des plus coriaces. Il a une grosse équipe avec lui. Ouais, bon, je vais faire une blague à la con, mais bon, Robit, gros, enfin, bref, on s'en fout. Zoom sur Marco Tecchio. Le pari de la rédaction. Mon pronostic pour la course, Tecchio sans hésiter. Il est monté en puissance petit à petit et a emmené une vraie armada avec lui. Ben voilà. Je fais partie des favoris, c'est la première fois d'ailleurs que je fais partie des favoris. Et il ne nous reste plus qu'à jouer donc cette course, hein, 180 km, alors que la vraie fait 250 bornes, je pense, hein, un truc comme ça. C'est parti, Liège-Bastogne-Liège U23, on se retrouve pour les, on va dire, 50 derniers kilomètres. Allez, à tout de suite. On se reprend donc comme d'habitude au départ de la course pour voir donc la stratégie de course, donc rôle leader, on met pause. On compte sur toi pour remporter cette course, tu es un des favoris aujourd'hui, on va faire en sorte de te mettre dans les meilleures dispositions. Reste sur la défensive jusque dans le final de la course et ensuite il faudra tout donner. Alors vous le voyez, j'avais dit que normalement je devrais avoir une forme du jour très dégueulasse avec ma petite blessure. Et bah, le plus 5 pour le petit Comingus, le plus 5 qui me donne plus 5 en montagne, plus 5 en vallon, plus 4, plus 2 en accélération, plus 5 en descente. Et surtout, plus 5 en baroudeur, plus 9 en endurance, plus 9 en résistance, et plus 4 en récupération. Bon, récupération, on s'en fout un petit peu pour ce 4 quoi, mais là, plus 9 en endurance et résistance, plus le reste, voilà. Logiquement, j'ai envie de dire, ça devrait être pas trop mal pour le petit Quamungus sur ce Liège-Bastogne-Liège U23. Voilà, donc on va gérer l'équipe en plus, toute équipe est gérable, donc c'est parfait. Sur ce, on se retrouve donc pour les 50 derniers kilomètres de la course. À tout de suite. Il reste 50 km sur ce Liège-Bastogne-Liège U23. Et vous voyez plus que 32 coureurs. Ça roule fort dans le peloton. Et oui, ce n'est même pas. Moi, je n'ai rien fait encore. Je reste en garde des positions tranquillement, sereinement. Je ferai mon effort déjà là, dans la prochaine petite bosse. Hein, vous le voyez, voilà, c'est normal. Hein, ici, attends, on va le voir en gros ici. Oula. Oula. J'ai peur que ça ait bugué. Non, c'est bon. Dans la bosse, là, voilà, j'accélérerai déjà ici pour voir un peu qui est costaud, qui ne l'est pas. Puis après, on verra bien si je pars tranquille ou pas. Encore une fois, le plus 5, hein, comme j'ai dit, donc le plus 5, il est sympa, il fait plaisir. Surtout que les personnages, hein, comme beaucoup de personnes, c'est une de mes courses préférées. Alors oui, c'est le 23, bien sûr, hein, ce n'est pas le... Oula, par contre, là, attendez, je m'y pose, parce que j'ai l'impression que ça bug, là, j'ai mon écran qui est en train de clignoter. C'est bizarre. C'est bon, je peux. C'est bon, je peux jouer tranquillement, là. Alors j'espère que dans la vidéo ça ne se verra pas par contre, parce que c'est un petit peu agaçant pour moi, ça fait un peu épilepsie quoi, j'ai envie de dire. Bon, j'espère qu'on le verra pas dans la vidéo en tout cas, mais c'est pas grave. C'est pas le moment de bugger les enfants, là j'ai plus 5, c'est bon quoi, s'il vous plaît. On se calme le PC là. Allez, Amirail qui roule, Fares plutôt qui me protège. Mais malheureusement pour eux là, je pense que là dans la prochaine petite côte, ils vont pas pouvoir me suivre beaucoup. Je vais même aller pas aussi fort que ça, je vais aller à 68 seulement d'effort. Ça sert à rien d'aller à 75 pour l'instant, il y a encore 40 bornes, hein, donc on a le temps. Voilà, la bosse, la voici la côte de la redoute. Oh là là, mon
PC qui rame pas mal là, waouh, mais enfin, je m'épose, mais qu'est-ce qui se passe là? Bordel de merde! Les personnes âgées vont PC, il a du mal. Hein. Allez quoi? Là, à mon avis, nous étions 35, comme on a eu, on va être une petite quinzaine en haut, même pas. Je pense qu'on sera même pas 15, on sera. Même pas, je vais tout seul au final. Ouais, tout seul. Et bah voilà, c'est ça craque. Pharas qui me suit pour l'instant. Allez, protège-moi, mon petit Pharas, tu peux le faire. Hein. Je vais réduire l'effort d'ailleurs pour t'aider. Voilà, 60. Voilà, passe devant, protège. Parfait. Bien joué, petit Pharas. T'as résisté, c'est nickel. Il y a O'Connor avec nous qui fait partie des favoris, je vous le rappelle. Bon, la Pharas en chie pas mal, hein, le pauvre. Un petit bidon, vas-y, mon petit Pharas. Et on va rouler avec O'Connor. Il a combien O'Connor? 71 vallons. Ouais, bon. Moi, ça me fait 75 vallons quand même. Hein. C'est quand même pas si mauvais. C'est. Voilà. Une minute d'avance sur le peloton derrière qui a 20 unités. Ouais, non, je pense que ça va. Ouais, ça va être assez facile, je pense. Là, il y a O'Connor qui s'accroche, mais à mon avis, il va pas s'accrocher longtemps. Prochaine montée, là, j'accélérerai. Même si à 2, ça peut être sympa. Hein. Voilà, s'il prend des relais, là, on le voit à droite, là, il prend pas de relais pour l'instant. Hein. En même temps, prendre un relais avec quelqu'un qui est largement meilleur que vous, c'est pas forcément cool. Hein. L'emmener à la victoire facilement, au final, c'est logique qu'il prenne pas de relais. Et nous, on roule, en mettant 1 minute 30 d'avance. Ouais, c'est bon, ça va jouer entre O'Connor et Quamengus. Mais autant vous dire que ça va se jouer entre Quamengus et Quamengus. Voilà. Je le dis. Je l'annonce. En même temps, j'ai pas non plus de mérite. Hein, voilà. Donc ça revient peut-être. Ah, ça va peut-être revenir derrière. Attention. Quand même, t'en flamme pas trop. Oh, mon écran qui scintille, enfin qui clignote, ça m'énerve. C'est n'importe quoi. Là. Plus qu'à voir si ça se verra sur la vidéo ou pas, mais c'est chiant. Allez, prochaine boss, j'accélère. 40 secondes d'avance hein, seulement maintenant hein, sur le peloton, on a 24 unités maintenant. On se met en effort curseur, hein, vu que de toute façon que O'Connor ne prend aucun relais, donc autant être en effort curseur. Allez, la côte de Saint-Tilman. C'est parti, on passe à 75 d'effort. Allez, on va voir si O'Connor peut suivre. Je pense qu'il ne va pas pouvoir suivre, hein, sincèrement. Elle fait combien? 5% sur 3,4 km. Ouais, c'est pas super violent non plus. Allez, quoi. Eh oui, comme je l'ai dit, hein, les bassonnets, pour moi, voilà, même si c'est en U23, gagner cette course, ça me ferait énormément plaisir. Et O'Connor qui suit hein, pour l'instant. O'Connor qui suit. Hein. O'Connor est toujours là. Il a peut-être plus 5 aussi, bien. Allez savoir. D'ailleurs, avant, on pouvait le savoir, d'ailleurs. Maintenant, on peut plus. Il suit tranquillement, O'Connor. Il prend aucun relais, par contre. 2 minutes 40 d'avance maintenant sur Hamilton et Kaiz. Kaiz, car c'est un allemand, je suppose. Kaiz. Alors qu'il reste maintenant 15 bornes seulement, hein, 15 bornes. On se repose un petit peu dans la prochaine côte, voilà la côte de Saint-Nicolas. Alors que je vois rien du tout là, ça clignote, mais c'est affreux, putain, bordel de merde. Oh, ça me casse les couilles là, sérieusement. Allez là, on va fournir un gros effort maintenant ici, côte de Saint-Nicolas. L'avant-dernière difficulté de ce Liège-Bassin-Liège U23. Derrière, ça ne reviendra plus, donc ça va se jouer entre O'Connor et Quam. Allez, là, il faudrait peut-être que j'attaque. Ouais, je vais attaquer maintenant. Allez, côte Saint-Nicolas, on attaque. On voit rien, car il y a les murs. Et oui, on voit rien. Et ça clignote dans tous les sens chez moi. Oh, c'est affreux, putain. Ça m'énerve, sérieusement, je vous le dis. Ça m'énerve prodigieusement. Et Quam qui est parti pour aller chercher la victoire sur ce U23. Ouais, c'est bon, là, non, il ne reviendra plus. O'Connor, c'est fini. Quam va s'imposer tranquillement. Ah, le plus 5, franchement, là, grosse surprise. Hein. En étant légèrement blessé, en plus, en étant pas en super grande forme, vous voyez, je suis en jaune, hein, seulement, au niveau de la forme. Le plus 5, là, me fait... Waouh.
Donc il reste 7 km. La dernière difficulté de ce relais de bassin de neige. La côte danse. Il danse, il danse. Enfin, bref. Non, je suis petit con. Les coureurs approchent de l'arrivée. Ils viennent de franchir le panneau des 5 derniers kilomètres. Ouais, maintenant c'est du faux plat descendant jusqu'à l'arrivée. Tranquille, on va me ralentir maintenant histoire de pas trop se crever, ça sert à rien, on est peinard. Hein. 1 minute 20, 30 d'avance sur le deuxième, c'est tranquille, j'ai envie de dire. Voilà, on savoure la victoire. On a le temps là de savourer, voilà, le dernier kilomètre bientôt. On savoure. Voilà, le dernier kilomètre c'est maintenant. On va me ralentir encore un tout petit peu histoire de vraiment savourer cette victoire. Hein. 1:40 d'avance, ouais, on est largement tranquille. Et c'est la victoire de quoi, Moelgus, sur les Vosses Neige, U23, victoire. Yes! Ça fait plaisir. Ah oui, ça fait toujours plaisir. Ah ouais, non. On a beau avoir plus 5, hein, voilà, on gagne, ça fait plaisir. Hein. Et large victoire, cela. On va mettre un petit fois 8, hein. On n'a pas que ça à faire que d'attendre. O'Connor, Kra, Hamilton, Mora, Kaiser, non, qui est belge d'ailleurs, n'est pas allemand. Kreider, Wouters, Mass, Tecchio, qui ne fait que 10e, hein, voilà, il était favori, il avait annoncé qu'il était là pour gagner, et ben il fait 10e. Ben, voilà. Robit aussi, hein, voilà, Ludovic Robit, qui fait que 16e. Et on voit donc la victoire du petit Quam. Il va lever les bras maintenant. Voilà. Belle victoire pour Quam Angus. Yes! Ah non, mais je suis content. Ah oui, non, mais je suis content, moi, quand je gagne une course. Hein. On redécouvre un petit peu le plaisir de gagner des courses hein, quand on redémarre un pro cycliste comme ça. Ça fait énormément plaisir. Voilà, bon. Ça marque des points, pas ça, d'avoir gagné ça? Non, ok, aucun point. C'est pas grave. C'est la 8ème victoire de quoi, Moingus, sur cette saison. On se donne rendez-vous Attendez, on va aller voir rapidement, vite fait, le calendrier. Nous sommes quoi? Nous sommes le 1er mai, donc nous sommes ici. Voilà, nous sommes là. Qu'est-ce que c'est après, donc? C'est la flèche ardennaise. Ah, sympa, ça, la flèche ardennaise. Ouais, ouais, ouais. Peut-être en vidéo, peut-être pas, je ne sais pas. Après, le tour de Picardie. Je suis en train de regarder vite fait hein, ce que je pourrais vous proposer après. La ronde de l'Isard, on fera ça je pense, ouais. Ronde de l'Isard, 4 étapes en U23, avec 3 étapes de montagne, une de vallon. Ouais, je pense qu'on donne rendez-vous pour le 22 mai, ça va être ça. Allez, bah sur ce, donc rendez-vous au 22 mai pour la ronde de l'Isard. Je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous, et ciao, 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 bye bye.